Yes, you will be my fear, my lady d'Abanville. Why does it grieve me so? But your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low, my lady d'Abanville? Why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. You look so cold tonight. Your lips feel like winter. Your skin has turned to white. Your skin has turned to white. My lady d'Abanville, why do you sleep so still? Tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. La 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 la. Why do you grieve me so? But your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? I loved you, my lady, though in your grave you lie. This rose will never die. This rose will never die. I loved you, my lady, though in your grave you lie. I'll always be with you. This rose will never die. This rose will never die. Allez, bonsoir. Nous sommes le vendredi 16 octobre 2020. On commence dans quelques instants avec un document signé TV5. Un document exceptionnel à écouter absolument jusqu'à la fin. Ça dure presque une heure. Sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sans rapport avec les femmes. Ensuite, on poursuit avec la fête consacrée à mon anniversaire dans deux jours, le 18 octobre 2020. ...48 heures. On va le fêter ensemble. Oh, mais... En musique. Les musulmans fondamentalistes cherchent à imposer une vision radicale, régressive de l'islam. Et les premières victimes de cette idéologie, ce sont les femmes. Des femmes considérées par ces hommes comme des êtres mineurs,
des individus défaillants. Et je suis révoltée par les crimes réels qu'on commet au nom de l'islam, mais aussi par les crimes symboliques qu'on commet au nom de l'islam, en disant il y a quelqu'un qui est la cause de tous les problèmes, c'est le diable incarné en femme, ou la femme qui porte en elle un peu de diabolique. Aujourd'hui, la femme devient un démon, une fitna, quelle que soit la femme et quelles que soient ses intentions et ses désirs. Pour les musulmans radicaux, la femme, c'est le diable. Un être qu'il faut voiler, enfermer. Et pourtant, la religion de ces hommes, l'islam, est une religion qui parle d'égalité, de respect. Des idées que le prophète Mahomet lui-même a défendues toute sa vie. Un prophète qui n'était pas du tout l'homme que vous croyez. Il a dit, je n'ai aimé de votre monde que trois choses, les parfums, les femmes et la prière. En rajoutant que la prière avait la prééminence à ses yeux. Et c'est cette histoire, une histoire pleine de lumière, de passion, de combat, que nous allons vous raconter. Nous allons, nous, musulmans, vous raconter cette histoire comme vous ne l'avez jamais entendue, en donnant la parole à ces femmes et ces hommes qui étudient la vie du prophète et le Coran. Écoutez-les, ils vont vous surprendre. Retour 14 siècles en arrière pour rencontrer un homme au cœur tendre. Mahomet naît vers 570 au cœur de la péninsule arabique, dans une famille noble, mais très pauvre. Mahomet est orphelin, il ne connaîtra jamais son père, et sa mère meurt alors qu'il n'a que 6 ans. Enfant, il s'occupe des quelques chèvres qui appartiennent à la tribu. À l'adolescence, il apprend le métier de caravanier. Mahomet grandit dans une société patriarcale, très brutale pour les femmes. La plupart sont considérées par les hommes de l'époque comme un fardeau. De simples bouches à nourrir qu'on peut éliminer en les enterrant vivantes. Les hommes étaient les chefs de la vie domestique comme de la vie publique. Les femmes n'avaient pas de statut. C'était faisait partie des bagages qu'on emmenait. Bref, la société arabe du 7e siècle est une société faite par les hommes, pour les hommes. Certaines femmes, pourtant, sont privilégiées. Ce sont les femmes nobles de la Mecque. Khadija fait partie de cette minorité. Khadija est une riche commerçante, mère de 3 enfants et veuve 2 fois. Elle a 40 ans lorsqu'elle rencontre Mahomet. À l'époque, il n'est encore qu'un jeune caravanier pudique, courtois. Et un bon négociateur. Je pense que la rencontre avec Khadija, ça a été une rencontre unique dans sa vie. Pour ce qui est de Mohammed, justement, jeune homme de la Mecque, qui était à la fois désargenté et orphelin, de père et de mère. Elle était unique parce que Khadija va le porter au sommet de ce qu'il peut donner.
Mahomet a 24 ans lorsque Khadija l'engage pour être son employée. Khadija lui propose de s'occuper de l'une de ses caravanes, son commerce. Et lui, il accepte et elle part avec les articles qu'elle voulait vendre. Il revient avec un profit considérable. C'est à ce moment-là que le prophète va avoir une réputation d'homme sûr, d'homme fidèle et honnête. Ce qui fait qu'il se fait remarquer très vite par tout le monde et à commencer par son employeuse qui était Khadija. Khadija tombe rapidement sous le charme de ce jeune homme et elle se met même en tête de l'épouser. Mais devinez quel stratagème elle imagine pour arriver à ses fins et lui demander sa main. Elle lui envoie donc sa servante qui lui pose la question. Si tout d'un coup vous vous trouvez face à une proposition d'une femme qui serait belle, qui serait honnête, qui serait riche et qui serait aimante, est-ce que vous accepteriez de vous marier? Il lui dit, cette femme-là n'existe pas, ça ne peut être que Khadija. Elle est la seule à pouvoir avoir toutes ses qualités réunies en une seule personne. Et il lui dit, oui, c'est en effet Khadija. Est-ce que vous accepteriez éventuellement d'épouser Khadija? Et donc là-dessus, évidemment, il dit oui aussitôt. Ce que j'aime le plus dans le prophète, c'est justement cette insolence à épouser une femme de 15 ans de plus que lui, qui est sa patronne, que d'aucuns hommes n'ont pas aujourd'hui. Aujourd'hui... un homme de référence musulmane qui voudrait avoir le courage d'épouser une femme beaucoup plus âgée que lui ou qui est sa patronne, je ne suis pas sûre qu'on le trouve tous les jours. Et ce mariage va bouleverser la vie de Mahomet. Il ne faut pas oublier que le prophète était un simple berger. C'est Khadija qui était la grande commerçante, qui avait de l'argent. C'est elle qui avait le capital. C'est elle qui avait le pouvoir. C'est une femme qui a fait du prophète un homme éminent, un homme respecté. Il est devenu un homme avec un statut grâce à Khadija. Il n'était pas un homme avec un statut grâce à ses efforts, mais grâce à Khadija et son mariage avec elle. Pendant les 15 premières années de leur mariage, Mahomet et Khadija vont avoir 4 filles. C'est une famille aisée et respectée. À 40 ans, Mahomet est un homme presque comme un autre. Mais cette année-là, un événement va tout changer. À l'époque, il va régulièrement se recueillir dans une grotte située sur les hauteurs de la Mecque. Mais un jour, alors qu'il médite, il a une apparition. C'est l'ange Gabriel. L'ange lui présente un morceau de tissu sur lequel est écrit un verset du Coran et lui dit « Lis ». Mahomet, paniqué, répond « Je ne suis pas lettré ». L'ange lui ordonne 2 fois de lire, mais Mahomet lui répète qu'il ne peut pas et s'enfuit rejoindre sa femme Khadija. Lui, il dit lui-même « Je croyais que j'étais devenu fou ». Alors, il était affolé. La première personne que Mohammed est allé voir, c'était Khadija, comme un petit enfant qui a peur, qui est terrifié par quelque chose et qui va tout de suite aller dans les bras de sa maman, qui va essayer de le consoler, ce qui a été le cas, qui va essayer de le réconforter. C'est avec Khadija qu'il a appris à faire la prière. C'est-à-dire Gabriel lui a indiqué comment faire la prière et lui, il a pratiqué avec Khadija. C'était la première personne. Le premier musulman numérique, si je puis dire, au sommet de la liste, c'est une musulmane, c'est Khadija. C'est un symbole très fort. C'est que le prophète reçoit la révélation, il la transmet à une femme. Le premier musulman est donc une femme. Un fait difficile à admettre pour les fondamentalistes, encore aujourd'hui. Comme si une femme ne suffisait pas pour donner cette autorité symbolique pour être le premier. Le premier ne peut pas être féminin, c'est toujours masculin. Donc c'est toujours cette manie qu'ont les exégètes et les historiens arabo-musulmans de voiler un peu la femme, de la mettre à l'écart, en deuxième position.
Depuis la révélation de l'ange Gabriel, Mahomet est le nouveau prophète, le prophète de l'islam. Dieu lui transmet des versets qui constituent le Coran. Sa mission, faire connaître cette parole aux hommes et aux femmes. Son message principal, il n'y a de Dieu que Dieu et Mahomet est son prophète. Mais les premières années de la prédication sont difficiles. Les Mécois n'adhèrent pas à cette nouvelle religion monothéiste. Pas simple de convertir des gens qui croient en plusieurs dieux. Mais Khadija est là, toujours à ses côtés. Épouse solidaire, fidèle, qui va le soutenir à fond, qui va croire en lui. Tout ce qu'on sait, c'est le rôle qu'elle va jouer dans la formation psychologique, mentale, humaine, intellectuelle et philosophique du prophète. Donc elle aura, en tout état de cause, pendant 10 ans, formé, fait passer son mari de l'état d'homme, de statut d'homme, à celui de prophète. Khadija est de toutes ses joies et surtout de tous ses tourments. Mais elle n'est pas seulement une épouse ou la mère de ses enfants. Elle est aussi, grâce à son pouvoir, sa protectrice. Et Mahomet aime cette femme. D'ailleurs, contrairement aux coutumes de l'époque qui autorisent les hommes à prendre plusieurs épouses, Mahomet lui restera fidèle tout au long de leurs 25 années de mariage. En 619, Khadija meurt. Elle a 65 ans. L'année de sa mort est considérée par la tradition arabo-musulmane comme l'année de la tristesse. Sans elle, Mahomet aurait-il affronté son destin ? De Khadija, tout va changer. Politiquement d'abord, Mahomet n'a plus de protecteur. Les Mécois ne veulent pas de lui ni de sa religion. Ils vont même le harceler et le pousser à l'exil. Alors, accompagné de ses filles, Mahomet quitte la Mecque pour Médine. Sur le plan affectif aussi, tout change. Mahomet a 50 ans et une nouvelle vie commence. Khadija, qui était la femme mère, est morte. Donc, Mohammed, l'enfant qu'il était symboliquement, s'est libéré. S'est libéré de la mère et là, il pouvait vraiment vivre comme il l'entendait, comme il le voulait, il n'avait plus de contraintes, il n'avait plus ce poids. Après 25 ans de monogamie, Mahomet devient, comme c'est la règle à l'époque, polygame. Il regarde les femmes qui l'entourent et en épouse deux. La première a pour mission principale l'éducation de ses filles. La seconde, celle qui marquera le prophète, s'appelle Aïcha. Avec elle, il découvre la passion. Beaucoup d'historiens disent quel était l'amour de Mohammed. Elle aussi, elle dit qu'elle était la seule vierge que Mohammed a connue. Elle est mutine, elle est joyeuse, elle est joueuse et elle lui tournait la tête. Donc il y a un amour là viscéral, incompréhensible, fou, sans limite, une possession mutuelle. J'imagine que le prophète était très possessif aussi vis-à-vis de Aïcha. Et donc il y a une sorte de voracité. Aïcha et Mahomet s'aiment. Mais cet amour ne fait pas plaisir à tout le monde. Les adversaires de Mahomet en particulier vont tout faire pour les séparer. Il y a une anecdote qui dit qu'il y avait une caravane qui était partie et que cette caravane est revenue sans Aïcha qui s'était perdue apparemment pour chercher un collier, son collier. Et cette nuit-là, il y a
un homme de Quraysh, Safouane, qui l'a trouvé. Et il se trouve que cet homme est un très très bel homme de Quraysh. Et il a ramené à Aïcha. Bien sûr, les gens ont jasé et ils ont dit qu'Aïcha a passé la nuit avec le plus bel homme de Quraysh ou l'un des plus beaux. Et donc, les mauvaises langues commençaient à dire qu'Aïcha n'était pas sincère, n'était peut-être pas fidèle, etc., etc. Donc, le prophète était très, très, très perturbé parce qu'il aimait beaucoup Aïcha, sincèrement. Et donc, mais c'est un homme arabe. C'est un homme arabe avec la virilité de l'homme arabe. Je veux dire, on ne peut pas attaquer à la fois sa femme et, son honorabilité comme ça. Et donc, il est très affecté. Et il y a eu ce qu'on appelle, pendant un peu plus d'un mois, la calomnie qui s'est développée et le prophète qui se posait la question, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je dois la punir ? Est-ce qu'elle est coupable de quelque chose ? Est-ce qu'elle ne l'est pas ? Il a même posé la question aux compagnons de son entourage, aux femmes qui l'entouraient. Ça a été un moment d'ailleurs très très pénible que Aïcha raconte, puisque en quelque sorte le doute était là, la question, le point d'interrogation était posé. Le prophète se sent seul. Il se pose des questions concernant son couple. À ce moment-là, Dieu réagit et s'adresse à lui. Cette parole va soulager Mahomet. Dieu a fait descendre, comme on dit, une révélation où il a innocenté Aïcha, il a dit qu'elle n'avait rien fait de mal, et il a reproché à tous ceux qui s'étaient laissés aller à de la calomnie sans preuve. De s'être laissé aller en disant que c'était un énorme péché. Et qui plus est, à partir de ce jour-là, le Coran dit, il vous est interdit de recevoir un témoignage unique sur des situations de ce genre, notamment vis-à-vis de la chasteté de vos épouses. Ce cas-là fait que toutes les femmes étaient protégées de certaine manière par Dieu lui-même, hein, de ce point de vue-là. Et que aucun homme, même ennemi, même jaloux, même voulant, enfin qui veut leur nuire, ne peut leur porter préjudice dès lors qu'il est seul à témoigner contre elle. Ce verset confirme bien que Dieu, dans l'islam, est le protecteur suprême de la femme. Mahomet dit que l'amour qu'il éprouve pour Aïcha est aussi fort que le nœud d'une corde. Avec elle, il n'est plus le même homme. Avec elle, il découvre les plaisirs de la chair. Très proches, ils entretiennent une relation très singulière. Mohammed ne trouvait pas de problème s'il faisait la prière alors que Aïcha était dans son bourd, c'est-à-dire en train de l'embrasser, on peut comprendre. C'est-à-dire, rien ne séparait Mohammed de Aïcha. Aïcha se vantait de ça en disant que le prophète avait reçu la révélation quand ils étaient tous les deux ensemble sous la couverture. Là, il y a une relation très proche entre la prière et entre les femmes, c'est-à-dire l'amour, c'est-à-dire la sexualité. Et c'est là l'essence du Coran, c'est là l'essence de la religion musulmane qu'on a tendance à oublier aujourd'hui. A beaucoup parlé de sexe au sens, non pas comme certaines caricatures le présentent, au sens du plaisir masculin, bien que ça l'intéressait aussi, hein, mais il a surtout parlé du plaisir féminin. C'est vrai que là, on peut reconnaître quand même, sans faire de l'apologie à outrance, qu'il y a des textes formidables pour l'époque. Je veux dire, un prophète qui dit clairement dans des textes officiels de la Sunna que ce qui différencie l'homme de l'animal, c'est sa capacité à donner du plaisir à sa femme. Franchement, c'est mignon. On peut pas espérer mieux. Pour l'islam, d'une manière générale, la jouissance du corps est un droit. L'homme
et la femme ont droit à cette jouissance. C'est même quelque chose que Dieu leur a donné. C'est un don de Dieu. Donc refuser la jouissance du corps est un refus de ce don de Dieu. C'est pour ça qu'il n'y a pas de clergé en islam. Il n'y a pas d'hommes ou de femmes qui font vœu d'abstinence. La seule limite prescrite par la loi musulmane, par la charia, c'est que quand il y a un couple légitime qui sont dans une activité, qui sont entre eux dans l'intimité, qui ont une relation intime entre eux, physique, eh bien, il n'y a aucune limite sauf la violence. Il ne faut pas contraindre le partenaire ou l'obliger à faire quelque chose qu'il n'aime pas ou qu'il n'a pas envie de faire. À Médine. Après 15 ans de prophétie, Mahomet s'est finalement imposé. Il est écouté, respecté. De plus en plus d'hommes et de femmes se convertissent à l'islam. C'était un homme qui surplombait son époque par une maturité personnelle, une hauteur de vue, une finesse psychologique tout à fait, quasiment moderne, puisqu'il était, il était capable de se mettre à la place des autres, de comprendre leurs problèmes et de les aider à avancer, notamment justement à quitter le monde tribal pour entrer dans le monde de la solidarité islamique et de la responsabilité personnelle devant Dieu. C'est à ce moment-là que Mahomet prend plusieurs épouses. Aujourd'hui, bien sûr, cette polygamie choque. Mais n'oublions pas qu'à l'époque, le harem est chose courante. Il y a une expression qui dit chaque homme, chaque prophète a la capacité copulatoire de 40 hommes et Mohammed a la capacité copulatoire de 40 prophètes. Donc ça, c'est dans la métaphore, hein, évidemment. Le jeu est dans la métaphore. Le fait qu'on considère que c'est le parangon de l'amant parfait, complet, qui à tous les niveaux est satisfaisant pour sa partenaire ou son épouse. Jour après jour, les nouvelles coépouses vont rejoindre la maison de Aïcha. Le harem du prophète naît. Mais les règles qui régissent ce harem sont bien différentes de ce que vous imaginez. L'homme n'a pas tout pouvoir, loin de là. Nous, on fantasme beaucoup sur le self-service que pouvait s'offrir l'homme. Ce n'est pas un self-service que pouvait s'offrir l'homme. D'abord, l'homme est tenu à une rotation rigoureuse. Aucune femme ne laissera sa place à une autre sous prétexte que le prophète n'est pas en forme. Au contraire, tout ça se négocie. Et même quand il y a une femme qui ne se sent pas à l'aise, qui est patraque, qui n'est pas très demandeuse, elle peut négocier sa nuit avec une coépouse avec laquelle elle s'entend. Comment ça se passe? Eh bien, il lui dit, moi je te laisse le prophète de nuit. Et je le reprends deux nuits de suite dans une semaine ou dans deux semaines. Une autre loi impose au mari de ne jamais délaisser trop longtemps ses femmes. Égare à celui qui ne se plie pas à cette règle. Écoutez plutôt cette histoire. Un jour, le vice-roi d'Égypte envoie à Mahomet une esclave, Maria la Copte, une très belle femme. Mahomet en tombe follement amoureux. Il l'épouse et s'enferme avec elle plusieurs semaines, oubliant ses autres épouses. Dans le harem, la rébellion est immédiate. Il y a une panique générale dans le harem et les femmes se liguent entre elles. Elles vont voir leur père et donc les hommes se sont organisés, ont fait une délégation, sont venus voir le prophète. Et ils ont dit au prophète de Dieu, vous ne pouvez pas rester au-delà de 15 jours avec une femme, même si elle est très belle. Parce que vous devez assurer quand même aux autres femmes une équité dans le traitement.
les femmes ne sont pas des esclaves. C'est que les femmes ne sont pas soumises, même au prophète. La maison du prophète est un lieu de vie avec ses éclats de voix. Les épouses s'affirment, parlent haut et fort. Les femmes étaient très jalouses les unes des autres. Et c'est normal, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un problème de statut social. Donc, chaque femme voulait avoir le statut de la préférée du prophète. Celle qui souffre le plus de ces conflits, c'est Aïcha. Tout le monde savait que le prophète aimait Aïcha et la préférait. Et Aïcha le savait aussi, mais elle était jalouse. Par exemple, elle voyait que l'une des autres femmes envoyait un plat au prophète. Elle s'arrangeait pour que l'une de ses esclaves ou affranchies renverse le plat pour que le prophète ne puisse pas en manger. Et le prophète savait ça aussi et il ne s'énervait pas. Elle est capable de sortir ses griffes. Donc il ne faut pas qu'on lui tourne autour de son homme. Hein. Je veux dire, et à plusieurs reprises, elle a montré qu'elle pouvait être une tigresse redoutable. Et d'ailleurs, tout le monde la redoute, hein, parce qu'elle est capable de se mettre en colère pour garder ses privilèges de femme choyée par le prophète. Quoi. Ce qu'on retient des exégètes et des livres des historiens, c'est que Aïcha n'était pas satisfaite du tout, n'était pas une femme heureuse, elle était tout le temps en colère, elle était tout le temps malheureuse, et Mohammed cherchait, avec des moyens de bord modestes, de la satisfaire. Pas facile pour Aïcha de partager son mari avec plusieurs femmes. Pas facile non plus pour Mahomet de gérer les conflits entre ses différentes épouses. Alors, hasard ou pas, le prophète va à cette époque recevoir de Dieu une révélation concernant le mariage. Une parole sacrée qui limite la polygamie. Dieu dit : l'homme a le droit d'épouser au maximum 4 femmes. Il doit restreindre son harem à 4 femmes. Ce texte est une véritable révolution. D'autant que Dieu précise dans ce verset que le mari se doit d'être juste et équitable envers ses épouses. Et il ajoute : si vous ne pouvez pas être juste à l'égard de vos 4 femmes, renoncez-y, renoncez à la polygamie et contentez-vous d'une seule. Et il ajoute, ce verset-là : vous ne pouvez pas, Dieu sait que vous ne pouvez pas être juste. Dieu lui-même, juge suprême, rationalité absolue, nous dit non, vous ne pouvez pas être juste. Donc en fait, qu'est-ce que Dieu voulait ? Il voulait amener les hommes à comprendre qu'au fond, il fallait la monogamie. Mais il ne pouvait pas d'un coup, d'un seul, leur dire oh, vous passez de je ne sais pas combien de femmes, un peu comme ça, à une. Donc il a fait des étapes pédagogiques pour leur faire comprendre par des moyens détournés avec la communication arabe de l'époque où on tourne comme ça que bon, tu comprends, tu peux pas être juste et puis tu vois, regarde le prophète, qu'est-ce qu'il dit, tout ça. Bon, il a un peu surestimé les hommes hein, parce que 13 siècles plus tard, ils ont toujours pas compris le message, mais bon. Après de longues années de prédication et de guerre, le prophète Mahomet s'impose comme un chef politique, un guide spirituel. Il crée la nation islamique. Mahomet est le prophète de tous les musulmans et surtout de toutes les musulmanes. Les femmes qui venait à lui tous les jours, comme les hommes. Il était assailli, tout le temps, quand il n'était pas en guerre ou en voyage. Tout le monde venait lui demander conseil pour se diriger dans la vie. Il ne faut pas oublier que c'est un monde qui bascule d'un système de référence à un autre. Tout est à trouver, tout est à comprendre. Et très souvent, les hommes étaient perdus. Nous avons une situation où il était en quelque sorte le grand psychanalyste de chacun. Les gens venaient et disaient, mais qu'est-ce que je fais en amour? Comment je traite mon mari? Comment je trouve? Qu'est-ce qui va m'advenir après la mort? Bon, il y a toute une série de ces questions.
Et constamment, s'agissant des femmes, on voit qu'il leur parlait en commençant par les traiter dans leur dignité, en tant qu'être humain, avec une âme, avec une responsabilité, avec ce sentiment qu'elle devait parler à Dieu et lui rendre compte, c'est-à-dire avec le maximum d'incitation à devenir une personne pleine et entière. Il sait que la condition de la femme est un enjeu majeur. Il sait qu'il faut bousculer les franges les plus traditionnelles de la société qui considèrent encore les filles comme des sous-hommes. Mohammed n'avait pas de problème avec les femmes. Sûrement, il pouvait porter un regard admiratif si une femme lui plaisait. Mais ce n'était pas seulement la femme, entre guillemets, objet pour lui. La femme pouvait aussi avoir un avis. Elle pouvait discuter avec lui. Donc il acceptait de parler aux femmes. Il n'avait pas de problème, il n'avait pas de préjugés qui croyaient que la femme est une créature du second degré. Une créature du second degré. Toute sa vie, Mahomet combattra cette conception. Il consacre d'ailleurs une grande partie de son temps à régler des différends d'ordre conjugaux. Et les femmes n'hésitent pas à le solliciter. Elles réclament même son arbitrage. Le prophète était un homme très coquin, pas du tout pudique. Pas du tout pudique. Au contraire, je cite l'exemple de la femme qui est venue lui dire que son mari n'arrivait pas à la satisfaire. Mais elle a précisé que le problème de son mari, c'est qu'il avait un pénis flasque. Elle a dit de cette manière. Et il y a des hommes autour du prophète qui ont dit « Arrêtez cette femme !» Elle n'a pas honte de parler de cette manière devant le prophète. Et le prophète s'est contenté de rire, sans plus. Et il a répondu à cette femme « Tu peux demander le divorce et on peut te libérer de cet homme qui n'arrive pas à te satisfaire sexuellement. » Au quotidien, son comportement est donc protecteur et tolérant. Mais il ne s'arrête pas là. Mahomet va changer le statut des femmes. Il va interdire certaines coutumes ancestrales, en premier lieu, le meurtre des petites filles. Avant l'islam, on tuait des femmes à la naissance, c'est l'infanticide des filles, parce qu'elles étaient des bouches à nourrir. Et donc, quand l'islam arrive, il dit il n'est pas question de tuer les femmes, il faut leur accorder la vie, puisque Dieu a décidé de leur naissance, comme les garçons. Il faut donc les garder en vie. Et donc déjà, il a permis aux femmes de ne pas mourir très jeunes, notamment dans les milieux pauvres. Et ce n'est pas tout. Mahomet veut aller plus loin. Donner à la femme une existence juridique. Dieu l'accompagne dans cette volonté de changement. Dieu révèle un verset coranique qui impose à cette société patriarcale un droit extraordinaire. Le droit à l'héritage pour les femmes. Avant, les femmes n'héritaient de rien finalement. Et sans compter que parfois elles étaient elles-mêmes l'héritage, c'est-à-dire qu'on les transmettait pratiquement comme des biens. Et donc, et il a donné un droit à la femme à l'héritage, y compris elle-même qui peut dispenser une part de son gain, de ses biens, pour quelqu'un d'autre. Donc elle peut, elle a vocation, si vous voulez, de manière notariale, si je puis dire, à transmettre elle-même des biens à d'autres. Donc vous voyez un changement radical du statut de la femme. C'est donc un énorme saut dans la conscience de la dignité de chaque femme. Ça, c'est un point tout à fait essentiel. Mahomet ordonne aussi aux maris de mieux traiter leurs épouses. La brutalité, la violence des hommes étaient en effet non seulement courantes, mais admises. Le prophète, lui, rejette ce modèle. L'homme était très ouvert et très tolérant. Par exemple, le prophète n'a jamais frappé aucune de ses épouses. Jamais. Et il l'a dit dans un hadith, un homme bien ne frappe jamais sa femme. Une femme est allée voir Mohammed et lui a dit, mon mari m'a frappé, m'a giflé. Et Mohammed a dit, bon, frappe-le, gifle-le. C'est comme ça qu'il faut faire. Alors, le mari a dit, comment ? Il va me gifler et en plus devant tout le monde et je serai humilié. Un prophète qui prend le parti de l'épouse. Un prophète qui protège la femme.
des vérités historiques essentielles à rappeler aujourd'hui. Aujourd'hui, où les fondamentalistes cherchent à instrumentaliser Mahomet et à faire dire au Coran ce qu'il ne dit pas. Il faut le dire, et je le dis les yeux dans les yeux avec tous les marabouts d'Afrique et de Navarre, n'existe pas, l'excision n'existe pas, aucune allusion. Mieux, la circoncision n'existe pas. C'était un fait anthropologique que l'islam a gardé, que la sunna, que la tradition a gardé. Elle n'est pas dans le texte. Il n'est pas dans le texte aussi la lapidation de l'adultère, homme ou femme. Et ce n'est pas tout. Voilà la réponse à ceux qui veulent imposer au nom du Coran des mariages forcés. Il n'y a aucun texte qui oblige la femme, la jeune fille, à épouser un mari qu'elle ne veut pas, qu'elle refuse. Aucun. Interdiction du meurtre des petites filles, droit à l'héritage, affirmation de l'égalité entre le musulman et la musulmane devant Dieu. Mahomet et l'islam ont révolutionné le statut des femmes. Mais pas question pour autant de masquer les zones d'ombre. Les résistances des misogynes, ces hommes qui ont tous les pouvoirs. Mohammed n'avait pas la possibilité de changer de fond en comble une société où la femme était encore un être mineur pour tout l'univers connu à l'époque. L'islam a révolutionné beaucoup de choses, mais ce n'est pas une baguette magique. Il y avait aussi dans la société des forces d'inertie énormes. Autour du prophète, certains hommes n'acceptent pas les nouveaux droits accordés aux femmes, et en particulier Omar, un proche compagnon de Mahomet. Il va tout faire pour freiner l'émancipation de la femme. Le chef de file de la misogynie, c'était Omar ibn Khattab. Il était très gêné par tous ses droits. Omar ibn Khattab, c'est un homme très fort, très très fort, de caractère. Fort dans le sens de rustre. Et il n'acceptait pas que les femmes jouissent de droits. C'est que les femmes craignaient Omar beaucoup plus que le prophète qu'elles ne craignaient pas. Les femmes n'étaient pas à l'aise en présence d'Omar. Plusieurs anecdotes le confirment. Le prophète était avec des femmes et on entendait leur éclat de rire à l'extérieur. Et Omar entrait dans cette réunion. Les femmes qui n'avaient pas de voile ont pris leur voile. Certaines se sont cachées, d'autres sont parties. Et le prophète a souligné le caractère répressif, sévère, de Omar en lui disant « Ah oui, si le diable te voit sur ce côté de la rue, il changera certainement de côté. » Contrairement à Mahomet, Omar veut enfermer les musulmanes, cacher leur corps. Il se réjouit d'ailleurs de les voir porter une cape. Ce qui est loin d'être le cas de Mahomet, pour le prophète de l'islam, le voile n'est pas une priorité. On n'a pas d'informations explicites nous montrant un prophète rigoriste qui veut voir toutes les femmes voilées autour de lui. Ça, on n'a pas cette information-là. La tradition n'en parle pas. Et donc, on considère que c'est secondaire. À mon avis, c'était secondaire également pour lui. Et pourtant, beaucoup de religieux aujourd'hui veulent imposer le voile. Alors, question, le voile est-il une obligation dans l'islam ? Non, à mon avis, ça ne peut pas être une obligation. Je crois tout simplement que ces législateurs ont peur d'eux-mêmes, ont peur de leurs propres démons. On sait très bien, depuis l'avènement de la psychanalyse, mais on le savait avant sans l'exprimer, que l'homme a quelque part une peur de la femme, qui symbolise pour lui cette béance qui ne peut jamais être satisfaite. Donc cacher le corps de la femme est une manière pour l'homme de cacher justement cette peur qu'il a vis-à-vis de l'orgasme féminin. Dans sa vie, Mahomet, on l'a vu, a toujours refusé toute forme de violence faite aux femmes.
reste pourtant une tâche indélébile qu'il n'est pas question de masquer. Ce verset du Coran qui autorise les maris à battre leurs épouses si elles n'obéissent pas. Ça, c'est ce que vous citez, c'est la phrase du Coran qui pose problème. Toutes les autres, on peut dire, c'est lié à l'histoire, c'est dans un contexte, c'était pas sacré, est-ce que c'est le dispositif, est-ce que c'est la finalité, on peut trouver des espaces. La nouveauté, c'est que les musulmans et les musulmanes arrivent, dans les groupes de réflexion, de recherche, à se dire ensemble, oui, cette parole pose problème, cette parole nous pose problème, oui. Jusqu'à la fin de sa vie, Mahomet restera hanté par cette question des femmes. Malgré ses victoires religieuses et politiques, le vieil homme est inquiet. Il craint que les droits qu'il a réussi à imposer, comme l'égalité entre l'homme et la femme devant Dieu, ou l'interdiction du meurtre des petites filles, ne soient remis en question après sa mort. Rien que dans le dernier discours qu'il a fait à la Mecque, ça s'appelle le discours de l'adieu d'ailleurs, il a réitéré l'interdiction du meurtre et il a recommandé que cette société du 7e siècle, où la femme avait encore beaucoup de choses à conquérir, beaucoup de droits à conquérir, il leur disait... Dieu est votre témoin, Dieu est votre juge pour ce qui est des femmes. Et cette attention, cet attachement aux femmes, Mahomet le manifestera jusqu'à son dernier souffle. Nous sommes en 632, Mahomet a 62 ans. Le prophète avait l'habitude de partager ses jours entre ses différentes femmes équitablement. Quand elle est tombée malade, les autres ont compris qu'elle voulait aller dans la maison d'Aïcha. Et on lui a dit, tu peux aller, il n'y a aucun problème. Il est allé passer ses derniers jours dans la maison d'Aïcha et il est mort, selon l'histoire, dans ses bras. Le prophète Mahomet, le chef de la nation musulmane, choisit de passer ses derniers instants seul avec son épouse Aïcha. Tout un symbole. Cet homme a défendu la femme, sa dignité et sa liberté. Sans conteste, Mahomet a été un homme moderne pour son époque. Mais aujourd'hui, le prophète de l'islam serait-il fier de ses héritiers ? Aujourd'hui, plus d'un milliard de musulmans pratiquent un islam ouvert et tolérant. Mais une minorité, les musulmans intégristes, s'emparent de cette religion et cherchent à imposer une lecture qui n'a rien à voir avec la vérité du prophète. Je crois que si on apprenait à nos jeunes la vie du prophète et son comportement avec les femmes, et si les hommes musulmans aujourd'hui essaient de ressembler un peu au prophète en ce qui concerne sa relation aux femmes, comme ils essaient de lui ressembler apparemment en ce qui concerne le port du barbe ou une certaine manière de s'habiller, je suis sûre que le statut de la femme musulmane serait peut-être l'un des meilleurs dans le monde. Et si la lumière devait venir d'une relecture de notre histoire? Et si le prophète était aujourd'hui le meilleur allié des musulmanes? On demande à ces jeunes filles, quelle est la parole du prophète la plus importante pour toi?
eh bien, elles vont vous citer « La recherche du savoir est une obligation pour tout musulman et toute musulmane. » Et du coup, elle se tourne vers papa et maman et elle dit « Mais qu'est-ce que tu me racontes? Que je dois me marier très vite? Mais tu dis n'importe quoi. Mais au contraire, pour être une bonne musulmane, je dois avoir bac plus 5. » Celle qui veut travailler, son mari décide que, soi-disant, l'islam dit que tu ne dois pas travailler. Mais elle se réapproprie l'histoire et elle dit « Comment ça, je ne dois pas travailler ?» Mais tu oublies que le prophète a épousé sa propre patronne. C'était sa patronne. Et tu viens me dire aujourd'hui, l'islam dit que je ne dois pas travailler. Jusque-là, ce sont les hommes qui ont fait parler l'islam pendant des siècles. Et ce qu'on peut dire en souriant, c'est que vu ce que certains hommes en ont fait, voyons ce que les femmes peuvent en faire. Ciel et mer se trouve une merveille appelée le Maroc. Khel ghanaï hob kbir ykhli aqli tir nahlem bik w enta maya li rah min omri kullu jrah. أنا اليوم معك غان ارتاح غير خليك حدايا شكون قال غان عايش حب كبير يخلي عقلي طير نحلم بك وانت معايا لي راح من عمري كله جراح أنا اليوم معك غان نبقى ليك وحدك دار وحدة جمعنا واليوم غان البس لك الابيض ونديرو يد في يد انا اسعد انسانة ونسمعك تدعي من قلبك نبقى ليك وحدك دار وحدة جمعنا غير
Allez, les femmes doivent être respectées et bien traitées. Selon notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, les femmes sont des créatures de premier degré. Allez, le 18 octobre 2020, dans deux jours, dimanche prochain, mon anniversaire. Je suis content et heureux de partager ces vérités avec vous. Pour me rejoindre, une seule adresse mail, simonsarochny@gmail.com. Et je vous propose un retour en arrière, la rediffusion de mon émission datée du 26 octobre 2019, un an déjà. Allez, très bonne émission.
for Java Trevor music. I for Java Trevor music. Billet de marée. Moi je suis heureux. Moi je suis heureux. Billet cobaye. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Allez, Massa Olkhair, bonsoir. Nous sommes vendredi 25 octobre 2019 et c'est relâche avec votre serviteur Simon, Simon Sarouchni. La semaine dernière, le 18 octobre 2019, c'était mon anniversaire. Et par coquetterie, je ne vous dévoilerai pas mon âge. Ce que je peux vous dire à ce sujet, c'est que je ne suis ni jeune, ni vieux, entre les deux. Et je vous laisse deviner mon âge. Merci à tous ceux qui ont pensé à moi le jour de mon anniversaire. La princesse Nour, le prince Amir et le prince Rally El Rally. Allez, on retrouve notre ami Zakaria Rafouli. Très très belle chanson. Voilà ton cadeau d'anniversaire, ça c'est pour toi. Et ça c'est pour toi. Aujourd'hui c'est ton jour d'anniversaire. On est tous là pour toi. On est tous là pour toi. Coupons les gâteaux et faisons la fête. On est là pour ça. اللي ما عنده قيمة يحسب راسه فلان مسكين وبغاي واللف هديمة ولا تكبر الشان اللي ما عنده قيمة انت يا تسكنه في قصور وهو يحطك في خيمة ياخذ لا تتسنى يعطيك انت يتكبر بيه وهو يصغر بيك علاش نكمل في طريق وانا يا خاسر فيها اللي ما تبغيني حتى انا ما نبغيها اللي ولف ياخذ لا تتسنى يعطيك انت يتكبر بيه وهو يصغر بيك علاش نكمل في طريق وانا يا خاسر فيها اللي ما تبغيني حتى انا ما نبغيها
ولا تكبر الشان اللي ما عنده قيمة يحسب راسه فلان مسكين وبغى يولف هديمة ولا تكبر الشان اللي ما عنده قيمة انت يا تسكنه في قصور وهو يحطك في خيمة يا حصرت هاد القلب على ذوك اللي خانوا شكون قالي فرط الحمام فوطانو شان الفلوس علا والحب طاح شانو راح زمن الوفا والغدر جا زمانو يا حصرت هاد القلب على ذوك اللي خانوا شكون قالي فرط الحمام فوطانو شان الفلوس علا والحب طاح شانو راح زمن الوفا والغدر جا زمانو ولا تكبر الشان اللي ما عنده قيمة يحسب راسه فلان مسكين وبغى يولف هديمة ولا تكبر الشان اللي ما عنده قيمة انت يا تسكنه في قصور وهو يحطك في خيمة اللي درب حسابي غاندي ربح حسابه والشاريني نشري واللي محن قلبي ويزيد في عذابه محال نفكر فيه اللي درب حسابي غاندي ربح حسابه والشاريني نشري واللي محن قلبي ويزيد في عذابه محال نفكر فيه ولا تكبر الشان اللي ما عنده قيمة ولا تكبر الشان اللي ما عنده قيمة يحسب راسه فلان مسكين وبغى يولف هديمة ولا تكبر الشان اللي ما عنده قيمة انت يا تسكنه في قصور وهو يحطك في خيمة There's a light at the window. I can hear someone knocking on the door. There are voices in the street and the sound of running feet. And they whisper the word revolution. There are men coming down from the valleys. There are tall ships lying off the coast. Dark of the night, like a whisper in the wind. Revolution! Bring my gun and a handful of silver. By the sea we will gather for the fight. It's been so many years, so many tears. We have lost once before. Now we'll settle the score when our cannons will roar. Revolution! Allez, sur cette musique de Chris de Burgh, ma révolution à moi. Et en toute sincérité, je vais revenir sur mon histoire de vie, en quelque sorte le bilan de ma vie.
Je commence tout d'abord par ma naissance. Elle a eu lieu à Imouzel du Kanda, chez les Ace Solutions, le 18 octobre. Ensuite, ma tendre enfance, elle s'est déroulée à Ifren, enfance dorée, heureuse, dans une nature à couper le souffle. Peu après, mes études à Azrou, au collège Atlas, et à Meknès, au lycée Moulay Ismail, où j'ai obtenu mon baccalauréat scientifique. Mes études après à Rabat, la capitale administrative du Maroc. Ma première promotion, ma première année à l'ENS, qui forme les futurs professeurs de physique-chimie, Ustel et Satida. La première erreur de ma jeunesse, vouloir coûte que coûte quitter le Maroc pour aller faire des études universitaires à l'étranger. Arrivé à Bruxelles, j'ai réussi à m'inscrire dans une grande école de commerce à l'ULB, l'Université libre de Bruxelles. Le commerce, rien à voir avec mes études initiales. C'est le titre d'ingénieur commercial qui m'a attiré. Malheureusement, les aléas de la vie ont dévié mon parcours. J'ai découvert la radio à l'université et j'ai commencé à en faire tout en délaissant peu à peu mes études. Seconde erreur de ma jeunesse, mais pas de regret. J'ai quitté la Belgique pour aller m'installer en France. À Lille, c'était un peu la galère. Des petits boulots. Jusqu'à mon grand job sérieux, transport en commun, le métro de Lille. J'ai exercé le métier d'AOL, agent d'opération en ligne, pendant 5 ans, grosso modo, le contrôle de tickets, des interventions techniques. Roll away the dawn and let me see. Et plus tard, j'avais décidé de prendre ma revanche sur les études. Je m'étais alors inscrit à l'université de Valenciennes, à 40 km de Lille. J'avais réussi à décrocher mon premier diplôme après le baccalauréat. Il s'agissait d'un diplôme universitaire de technologie, option finance, comptabilité. Ce diplôme m'a permis d'exercer le métier de formateur. J'ai même failli travailler chez Renault comme comptable. Donc le métier de formateur pendant 5 ans. J'enseignais la vie sociale et professionnelle à des Marocains, des Algériens, des Turcs, des Cambodgiens, toutes nationalités. Dans la foulée, à l'université, j'avais décroché la licence dans le métier de la formation. Le titre de mon mémoire, la culture du dialogue. Rien que ça. J'avais été alors embauché par la mission locale. Et pendant 15 ans, l'accueil des jeunes de 16-25 ans. Je les accompagnais dans leur insertion socio-professionnelle. Et parallèlement à mon activité professionnelle à la mission locale, je continuais à faire la radio tous les vendredis comme aujourd'hui. Et je dirigeais bénévolement une association dans l'insertion professionnelle. J'étais président d'Objectif Emploi. Allez, on poursuit avec le marhoum, Miloud Lemrari. Et nous sommes deux à être fans. Votre serviteur est Najm Tifel, Akhi Hassan.
طاح في قلتها على قلبي طاح في قلتها ما تجري ما بغى يصفى ما تجري ما بغى يصفى من الحب النساء ليش مع الرشا ولا شوخي لو مسبعة لابت رامي في الرما لابت رامي في الرما سال طلبة والرما سالفو هدا يا عود الهدادة هدا يا عود الهدادة خلي كرشك عقرة تعنيقة ونعنيقة وقلت لامك هذا قال انت يا
عطية هي مخال البنات مازال ما صاموا فرحتني عطية هي مخال البنات مازال ما صاموا ضرب ضرب يا رامي وحدر يدك لا تخسر له شام وش في الزين وزرق دموعي يا حيو عليا وحتى الأقلام عينين أمك صرحوني عيني أختك طيحوني بالنار عينين أمك صرحوني عيني أختك طيحوني بالنار وين أبيدك شعليا ويلا بيدك شعليا ومني في النهار حتى الحمار وانا وصيد على المزوق هو شاب لي ماريكان وماريكان حرموه طلبا انا يدوشي في الغيوان وفاطنا يا الحمدية وانت عقيلي ما قليا وفاطنا يا الحمدية ديري السلام وطلعي تشوفي نار تبدا شعلة بالشوم قلتي احنا الاخضر وجيبها نخدرنا الغام وقلتي احنا الاعلواج وجيبها نخدرنا نغطاش ندير السبان واللي عطار وجيب احنا الاخضر Allez, mon projet qui me tient à cœur, l'association Hanan 21, H21, je compte vivement la créer au Maroc, Inch'Allah. Jamaïa, mon adama, tunadel min ajl unf, didda nisa, wa didda l'atfal, les violences faites aux femmes et aux enfants, al-unf l'qa'im al-jins, les violences sexistes, ta'ziz l'moussawa bayna al-jinsayn, l'égalité entre hommes et femmes, al-i'tida jinsi ala al-atfal, la pédophilie, al-sifah al-qurbi, l'inceste, et enfin, l'intégration des trisomiques 21. H21, Hanan 21. Une seule adresse email de contact simonsarochny@gmail.com. Je vais appeler Simon S-I-M-O-N Sarochny S-E-G-H-R-O-U-C-H-N-I. Donc simonsarochny@gmail.com. Faites passer le message s'il vous plaît. Wa shukran.
متفقين معايا. Si vous souhaitez me rejoindre dans cette aventure, si vous souhaitez partager avec moi ces combats très nobles, les violences faites aux femmes, les violences faites aux enfants, l'intégration des trisomiques 21 et la lutte contre la pédophilie et l'inceste, Hanan 21, simonsarochny@gmail.com. Soyez nombreux. Faites, s'il vous plaît, circuler. Ciel et mer se trouvent une merveille. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Happy birthday, Simon. Joyeux anniversaire, joyeux Les trois meilleures chansons compilées par Simon pour vous, auditeurs de RQC. ما بغيتي تحشم وجهك هذا كله مسلفو وما الزين دبالي هزين وما لقى مسكين لي عينو ما الزين دبالي هزين وما لقى مسكين لي عينو وما الزين دبالي هزين وما لقى مسكين لي عينو
بان لي زين وما لقى مسكين لي عين وشي زيان لي جين وحبو جون تما ويلي مقواني عمل زين دبان لي زين وما لقى مسكين لي عين وشي زيان لي جين وحبو جون تما ويلي مقواني يا حمامة بغيتي تمشي بسلامة بسي معنا بلا فهامة راني نعرفك يا حمامة وماشي بغاني عليك ولا باغا الحلال نجي لداركم ولا باغا الحلال نجي لداركم ولا باغا عالمال قوليلي شحال ويلا باغا الحلال نجي لداركم ويلا باغا عالمال قوليلي شحال وهم قواني نهنانانان يا مقواني والولي سيدي بانك قعد حمير هبالك الولي سيدي بانك صاحي نمشي الغابة وطلب صاحي نمشي الغابة ومن الغابة ضيقوه الصيادة ومن الغابة ضيقوه الصيادة الكحن صيدة والعدار ويني بنشهبة ما جيعان توب 3 Les trois meilleures chansons compilées par Simon pour vous, auditeurs de RQC.
Les trois meilleures chansons compilées par Simon pour vous, auditeurs de RQC. فرحان حالي ما فرحان حالي ما فرحان علاش انت غضبان لان قلبي حيران علاش انت حيران لان كثر الاحزان علاش انت غضبان لان كثر الاحزان شلا يبكي يا امي زعفان يا بابا بحالي ما فرحان حالي ما فرحان بحالي ما فرحان حن علينا صار 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 طابوا الشفار صار 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 وطابوا الشفار علاش انت غضبان لان قلبي حيران علاش انت حيران لان كثر الاحزان علاش انت غضبان لان قلبي حيران علاش انت حيران لان كثر الاحزان شلا يبكي امي زعفان يا بابا بحالي ما فرحان حالي ما فرحان بحالي ما فرحان يا انسان عقلك قنعو يقبل انسان يا انسان وقنع عقلك يقبل انسان يا انسان عقلك قنعو يقبل انسان يا انسان راه نسيان نعمة الانسان راه نسيان نعمة الانسان وبالايمان تحطبوا الحزان يا انسان تكونك انسان اماشي ملاك انت في جنانه اماشي ملاك انت في جنانه وادعي واصبر وادعي للرحمن صار 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 وطابوا الشفار صار 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 وكثروا الضرر لأن قلبي حيران علاش انت حيران ولأن كثر الأحزان علاش انت غضبان لأن قلبي حيران علاش انت حيران لأن كثر الأحزان شلا يبكي يا امي زعفان يا بابا بحالي ما فرحان حالي ما فرحان حالي ما فرحان